Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Passons le 14RM, soyez les bienvenus dans l'Instant Transport Express, votre émission sur Protéine France et sur T11 Express, la chaîne. Une émission tant attendue que vous attendez depuis longtemps, c'est que maintenant que cette émission plutôt se lance. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, je suis en compagnie de, vous l'avez bien sûr imaginé, c'est bien sûr en compagnie de Marcel Sparke 48. Salut à toi. Je serai aussi accompagné pendant cette émission de notre présentateur en duplex de Verdun, c'est Digital Detect alias DS. Salut à toi. Eh bien bonjour, mon live est lancé. Voilà, et on va tout de suite commencer avec les titres de cette nouvelle émission. Et à la une, on va commencer juste pour cette émission par l'infotrafic à l'RATP. Nous partirons côté les 40 ans du RER de la RATP. Et nous allons parler aussi de l'habillage d'Info-TC France qui va être notre premier titre. Et à la fin de cette édition, nous allons parler côté Siloé. Une nouvelle information nous a été donnée depuis 2 jours. Je vais vous parler en détail. Ce sera en fin de cette émission. Bienvenue, c'est l'Instant Transport Express. Et on va commencer tout de suite avec l'infotrafic. L'infotrafic à 17h33, c'est le trafic normal sur l'ensemble des lignes. Là, vous ne pouvez pas voir, mais il y a 2 problèmes sur le RER C à cause des mouvements sociaux. Les trafics sont perturbés entre ces Saint-Quentin-en-Yvelines et Chavy-Vélizy et entre Versailles-Rive-Gauche et Versailles-Chantier. Pour cause de mouvement social, 1 train sur 2 roule entre ces 2 parties. Heureusement que mon train qui passe à Massy-Palaiseau, il fait Versailles-Chantier à Versailles-Rive-Gauche. Voilà, lui plutôt il a de la chance. Écoutez, bon, il y a quand même des travaux, on peut compter des travaux à l'arrêt de Châtelet qui n'est pas marqué pour cause de travaux de modernisation jusqu'au 7 mars 2018. Et autre travaux que vous ne pouvez pas voir, c'est celui du RER C, où la gare de Pont-d'Allemand est fermée jusqu'au 31 décembre 2018. Oui, ça fait, ils vont faire 1 an pour faire cette gare, c'est comme jeu visible. Alors, sinon après, avant de parler de la une de cette émission, nous allons parler de l'habillage de la RAT, de Info-TC France, qui s'est modernisé depuis plus d'un mois, parce que la vidéo qui datait, ça datait de 1 mois, je crois environ. Alors, vous pouvez remarquer sur votre écran qu'il y a 2 dossiers, parce que ça, c'est la première saison, et la saison 2, créée par notre magnifique graphiste Marcel Sparke 48, qui est aussi à la fois présentateur, j'oublie qu'il est aussi présentateur uniquement pour l'infotrafic, et pour l'instant transport, mais en version radio. Par rapport, vous pouvez voir, oui, j'ai quand même plein de dossiers, mais surtout en plein sens et dans les nouveaux habillages. Vous avez pu remarquer, il y a les génériques pour l'habillage du journal, le newsbar que vous pouvez le voir juste en bas. Il y a aussi le news, il y a aussi un tout nouveau logo. En même temps, il y a aussi pub, de générique, tout a été modernisé sur RATP France. C'est pour ça que vous vivez en même temps en direct avec nous. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on continue en RATP France. Notre but, c'est l'information des transports en commun en France. Il n'y a pas qu'en France, il y a aussi la Suisse. Puisque les mecs, voilà, c'est pour ça. Même si vous voyez sur YouTube que je fais que des vidéos de France, mais j'en parle, j'ai même fait un titre en Suisse. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura aussi la Suisse en Suisse. Ça, c'était pour le premier titre, mais on passe tout de suite avec le deuxième titre de cette émission. Et à la une de cette émission, ce sont les 40 ans de service sur le RER de la RATP, qui a été inauguré le 8 décembre 1977. Ça fait 40 ans que nos beaux loyaux RER de la RATP roulent, que ce soit pour le RER A, qui était la première ligne, et RER B, qui était avant la ligne de Sceaux, est devenu maintenant l'erreur B qu'on connaît actuellement, mais une bonne partie du sud avait été repris de la ligne de Sceaux, qui était même les premiers MS-61 qui étaient roulés après sur l'erreur A, qui était en service sur la ligne de Sceaux, ex-ligne du erreur B.
Si vous savez que erreur A et erreur B sont gérés à la fois par RATP et la SNCF, et surtout en partenariat avec le STIF maintenant et des mobilités, qui parlera de cette bêtise, oui, de cette bêtise, là, bah, ce sera notre titre de ce lundi, que bah, le programme, ça sera le programme de l'émission d'Info TV France sera, bah, sera juste après. Je vous expliquerai un peu le détail de tout ça. Alors, si vous voulez voir, il y a des articles que vous pouvez voir, deux articles que je vous montre sur votre écran. Vous pouvez les checker, les deux liens qui sont dans la description. Et si vous allez sur la chaîne YouTube de l'RATP, que je n'ai pas vous montrer pour cause que YouTube bug son PC, oui, vous pouvez retrouver plein de vidéos qui montrent les 40 ans du RER. C'est pour le RER A et pour le RER B, plein d'augmentations qui a eu lieu entre 1967 à maintenant, le 1er décembre 2007. Nous fêtons les 40 ans, dans les 40 ans, dans 7 jours exactement. Alors, pour ça, c'était les types pour ça. Alors, juste rapidement, écran normal, voilà, écran juste de mon accueil. Pour les plannings d'information, d'émissions et de vidéos sur Info TV France, vous me retrouvez tous les lundis sur Info TV France et sur Témoins Express, la chaîne, pour l'instant transport, votre émission en, bah, déjà plus long, déjà surtout, et par contre pas diffusée sur mon PC, mais diffusée sur mon téléphone, oui, bon, voilà, avec du montage, là, pour formation, c'est que je fais le montage depuis, bah voilà, vous voyez l'écran de OBS, voilà, c'est le montage que sur OBS, c'est juste que j'ai pas j'ai pas de montage, alors je dis qu'on va faire du direct, voilà. Et c'est vrai que pour un direct, c'est un direct, voilà. Bon, pas complètement, parce que je filme pas sur YouTube, voilà. Il n'y a pas le petit truc de direct affiché sur l'écran, mais voilà, c'est pas trop grave. Sinon, après, il y a aussi le vendredi, je vous retrouverai tous les vendredis pour le 19h45 transport. Votre émission, on parlera de l'actualité des centres bus à RATP. Et sinon, comme d'habitude, tous les week-ends, on se retrouve pour l'émission TCWE, qui est le journal, l'infotrafic, soit le 19h, soit les JT des transports ou maquette. Il est présenté par tous les membres d'Info TV France, ça veut dire RATP 77, Marseille Sparkle 48, DS, Nico 67 et moi-même. Je tiens aussi à dire salut à Nico 67, parce que lui aussi a rejoint la chaîne il y a quelques temps, qui va faire l'actualité à Strasbourg. Ouais, même si je t'ai pas trop compris, mais bon, voilà, c'est marrant. Donc, ah, mais d'accord, t'as compris, oui, d'accord. Sinon, alors, pour information, comme vous avez pu le remarquer, bon, après, moi, je sais pas, je navigue dans mes trucs. Comme vous avez pu remarquer, alors, pour DS et Nico 67, DS fera tout ce qui est l'actualité à Verdun, oui, sur le réseau TIV, peut-être sur le TVR qui passe à côté de chez lui, ça veut dire le journal, l'infotrafic et les reportages, et le TURMF que vous voyez sur votre écran, le transport urbain et remontée mécanique français, même si c'était une émission qui est présentée par moi-même, mais que j'accepte tous les vidéos de l'info de ses France, et Nico Sorsès va faire la même chose. Alors lui, je vais déjà me dire, il connaît déjà les bases d'OBS, parce qu'il a déjà lancé sa chaîne d'info de Strasbourg, mais qui avait été arrêté pour raison XY. Il avait fait ça pendant les grandes vacances, tous les jours, tous les week-ends, de 12h à 13h. Il a déjà les bases. Ouais, il a déjà les bases. Il est plus en avance que nous. Mais c'est pas grave, il va faire l'actualité de Strasbourg avec le journal Infotrafic et les reportages. Et il pourra même faire les directs, comme nous, sans besoin d'avoir moi pour faire les émissions. Parce qu'il connaît déjà les bases, voilà, l'avance qu'il a en Nico 67, c'est pour ça que j'ai demandé de le rejoindre sur la chaîne. Sinon, et on commence... Wow, t'as dit quoi? Attends, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît, parce que comme j'entends pas très bien et que le bon que la vidéo doit pas t'entendre... Ah, d'accord. Après, la régie. Bon, après, je sais pas comment ça se passe parce que vu qu'on t'entend pas trop bien, ça peut être con. Alors, bon, j'ai pas envie de mettre mon risque. Ouais, bah, c'est pas trop grave. Voilà. Alors, sinon, bah, on attaque la troisième.
Alors, je suis en train de regarder en même temps sur mon téléphone. On commence avec le nouveau truc, c'est Siloé. Cette application qui va être utilisée H24, oui, H24 tous les vendredis à 19h45 pour le 19h45 transport, parce que qui va me servir beaucoup pour l'actualité du centre bus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je pense que la plupart des passionnés de la RATP doivent connaître ça. Sinon, vous êtes des noobs. Voilà, cordialement, la personne de skate 14 RN, voilà. Plutôt la direction d'Info de C France. Le MDR. Et si on faisait un petit tour côté. Exactement, c'est qu'il y a. C'est impressionnant que. Passion. Que. Le directeur. Rien compris, mec. Putain, mais t'es encore en train de bugger, toi. Ouais. Alors. Normalement, là, tu dois m'entendre, là. Là, oui. Oui, voilà. Coucou, côté centre-bus de Massy. Même s'il y a des petits bugs à corriger, mais je sais pas comment. Bon, aussi, c'est quand même la première hein, de l'instant transport, quand même. Ouais, bon, là, je te comprends mieux. Je sais pas, peut-être ton micro. Ton Discord plante avec toi, je sais pas. En fait, des fois, ça plante un peu, donc. Là, je comprends mieux, là. Voilà. Parce que là, tu parles mieux. Bon. T'inquiète, ne vous inquiétez pas, sur si Louis, il est en train de me faire n'importe quoi. Parce que là, ça va changer des trucs. Voilà, merci. Mais sinon, regardez le parc de bus de chez moi. 119 en sitter facelift, 196 en Swiss Line, 197 en sitter facelift, 197 en sitter facelift. 2,97 en Citaro, 2,97 en Citaro facelift, 2,99 en Citaro, 3,19 en Citaro facelift, 3,95 Citaro facelift, 3,99 Citus Line, GMR, Mercedes Sprinter OA412DK ou Agora L, ou Carrière JP2P12. Et en parlant de l'anniversaire des 40 ans de Jaguar A, sachez qu'ils ont fait une radio, elle est ouverte jusqu'en ce moment. Enfin, c'est une radio éphémère. Hein, en fait, tu voulais. C'est décembre. Ouais, mais si vous voulez, ils ont fait une radio, en fait, une petite radio éphémère sur Dailymotion. Ouais, bah, qui est disponible. C'est ça, ils ont fait une radio. Alors, je sais pas si c'est disponible sur l'article, je crois que. Je sais plus. C'est disponible sur Dailymotion, mais juste le 1er décembre. Ouais, bah, le 1er décembre, c'est aujourd'hui. Donc. Exactement. Donc, c'est... Ouais. Donc voilà. C'est un peu trop tard. Voilà. Écoutez, navette Paris-Saclay, parce que oui, vous allez me dire, mais pourquoi les navettes Paris-Saclay sont à RATP? Bah, en fait, c'est mobicité. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver le numéro 11 à 16 des Mercedes Sprinter City 35, le numéro 22 à 24 qui sont des Mercedes Sprinter City 65, commandé bah, il y a 4 mois, je crois. Je sais pas compter, moi. C'est novembre. Octobre, septembre, août, ah bah j'étais presque 5 mois, ouais, bah, j'étais presque. Aussi, il n'y a pas que. Allô ? Oui, 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 on t'entend. Il n'y a pas que. Comment dire que la RAT, le RRA qui fête ses 40 ans. Oui, hein. On sait, il y a aussi Tive. Mais aussi, voilà, il y a Tive. Voilà. Il y a aussi Tive hein, qui nous l'a dit tout à l'heure avant le tournage. Voilà. J'étais même pas au courant quand même. Et après vous pouvez remarquer qu'on a que un seul GX127 sur le navette Paris-Saclay 73, numéro 73. Rappel, Paris-Saclay sur les lignes A, B, C, D, E, G et J pour mobilité. Parce que Ulysse, eux, ils ne donnent pas de nouvelles, donc voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je vous présente ça? En fait, il y a la une dans Siloé, c'est que je vais vous montrer l'image, même si j'ai pas trop le temps. Bon, si j'ai encore le temps, ça va. Avant de partir, voilà. Voilà, vous voyez une petite image du départ de ligne de la 128, qui est une image qui a été donnée. Bon, malheureusement, sur Tous Express, la chaîne, on la voit pas, mais. Mais vous le verrez dans la vidéo de ce soir qui devrait être postée dans les alentours de 20h. Parce que, voilà, comme j'ai la fibre, ça va être plus facile pour poster une vidéo. Sinon, vous pouvez remarquer que la 128 va être décalée de Malakoff, où il était au centre bus de Montrouge. Petite parenthèse, c'est écrit sur le truc avec son. Quand on va sur Siloé, je vais vous montrer juste, voilà, rapide.
Il y a un petit souci sur Siloé, c'est que Montrouge, il n'y a personne. Parce que c'était l'ancien dépôt, l'ancien centre de bus. Mais en fait, quand il y a eu les travaux, bah, c'était décalé à Bagneux. Bagneux, bah, il reste que les bus de 323. Mais ils sont où les autres bus? Bah, en fait, ils sont appelés dans les bus de Jourdan. PS, Jourdan n'est pas une ville. C'est le nouveau nom du centre-bus de Montrouge. Bah, oui, c'est pour des mecs qui sont un peu tarés. Et donc, en fait, normalement, on devrait le voir ici, entre ces chiffres-là. Mais là, vous dites, bah, il est le premier, normalement, il a décalé. Bah, le problème, c'est que, comme je l'ai dit au début de Siloé, c'est que je sais pas quand Siloé fait ses mises à jour, en fait. Et donc, c'est pareil, c'est qu'en fait, donc là, vous avez pu voir que, en fait, tous les machinistes réservoirs de cette ligne vont aller derrière leur bus maintenant à Montrouge. Et non à. Excusez-moi, un petit souci avec mon. Ton micro, ce qu'on est en train d'entendre, voilà. Mais là. Ouais, voilà. Tout simplement, il s'est lâché, en fait. Hein, voilà. C'est ça. Je l'ai fait tomber. C'est ça. Et après, nous, Massy, Montrouge voulait récupérer les 6 tarots faciles de 187 et 187 plutôt. Ils vont les reprendre. Ils vont les prendre. Et nous, on va avoir les Citoïs 12 du 128. C'est problème. 18 bus pour les Citoïs 12. 16 bus 180 du social. Mais avant, je me rappelle, avant, sur l'émission précédente, t'avais dit que il y avait des Citoïs qui étaient en réparation. Que vous avez. J'ai dit Citoïs Line, c'est pas de Citoïs 12. Ah, c'était oui, là, c'est pareil. Le problème, c'est qu'en fait, vous allez dire en même temps, 10 contre 16, c'est pas équitable. Comme eux, ils vont garder que 2 bus en réserve. Je suis d'accord. Donc, on est obligé de passer 2 autres bus sur une autre ligne. Maintenant, le problème, c'est que comme Siloé n'a toujours pas fait ses paramètres, on ne peut toujours pas savoir sur quelle ligne ils ont été mis. Mais normalement, ils devraient être mis sur 197. Bon, je pense que je vous donnerai un peu plus d'informations. Je pense aux alentours de dimanche, quand le TCWE sera sorti. Et voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout prévu. Donc, n'hésitez pas à aller sur Siloé, je vous mettrai le lien dans la description. En plus, Siloé, c'est un bon site, parce que au moins, si jamais vous pouvez par exemple, une formation sur En fait, vous pouvez tout rechercher, en fait. La coquille d'un bus, tout simplement, ou l'affectation du bus. Ouais, vous pouvez mettre l'information et là c'est bon. C'est ça, en fait, vous pouvez tout rechercher. Vous pouvez rechercher les coquilles de bus, donc le numéro du parc, le parc d'une ligne, le matériel d'un bus, le centre bus, les mouvements qui ont été faits le mois. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a zéro parce qu'ils n'ont pas encore changé. Et après, il y a le plan du réseau. Alors, plage de coquilles, je ne sais pas, c'est juste. Ces catégories, statistiques sur le parc de chaque parc plutôt, et les répartitions des matériels par centre bus. Donc, par exemple, Massy, il y a quoi comme matériel de bus, Malakoff, il y en a quoi, Saint-Denis pour Marseille, voilà, il y a quoi, donc tout ça, voilà. Et oui. Je pense qu'il est l'heure de se quitter pour cette. Exactement. Et ouais, ça fait. Transport express est fini. Express, même si ça fait 19 minutes. Oui, c'est. Vous allez dire, ouais, maintenant, express. Mais dans l'émission qui va être présentée lundi, il va faire moins de 20 minutes. Parce que, comme vous avez pu remarquer, il y a eu plein de blabla avec les autres, tout ça. Mais alors que dans le normal, le vrai normal, il y aura plus de titres. Mais surtout que je vais vraiment centrer sur plein de trucs. Et que comme je serai tout seul. Là aussi, transport express a été fait aussi à l'arrache. Hein. Mais voilà, je vous promets, que pas, vers l'instant transport lundi. Je vous promettrai que voilà, ça va être parfait. Ne vous inquiétez pas, je vais préparer un truc de génie pour lundi. Mais là, c'est juste qu'on avait fait ça au dernier moment, on a préparé ça jeudi. Et comme moi, j'ai dû faire tous les montages que vous pouvez plus voir parce que voilà, je l'ai enlevé, juste une petite capture. Donc voilà, tous les paramètres qui sont là, mais comme il y a le newsbar, vous voyez pas. Voilà, je vous enlève juste. Donc là, vous voyez tout le bordel qui est là. Fallait tout reprogrammer, donc c'était très chiant tout ça. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé l'instant de transport express, même si c'est écrit l'instant de transport, mais on s'en tape. J'ai oublié de dire la date d'aujourd'hui, mais du vendredi 1er décembre 2017, qui est un vendredi aujourd'hui. J'espère que cette émission vous aura plu. Par contre, je pense pas jouer ici. Je vous retrouverai, alors je sais pas comment la vidéo va être postée, il va peut-être postée avant le 19h45 transport, mais dans tous les cas, je vous retrouve tout à l'heure dans environ de 2 heures. Oui, 2 heures exactement, pour le 19h45 transport, je vais commencer avec les premières émissions, même si ça va être pas le centre-bus de Massy,
mais on parlera de tous les autres centres bus un peu plus en détail. Ce sera dès ce soir à 19h45 pour le 19h45 transport. Et sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Il n'y a pas encore de réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Normalement, il y a un site internet qui doit être créé, mais il faut voir avec Marcel, voilà. Mmh. Oui, c'est vrai que si, en parlant de ça, je dirais aussi, ou si des fois sur un faux TCF, vous vous rendez compte que par exemple, le générique d'Infotrafic n'est pas semblable aux autres génériques avec celui du journal. Alors, oui, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, non, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, j'ai un problème avec aussi. Mais le logiciel et tout, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Hein. Oui, parce que comme vous avez pu remarquer, il manque les génériques de l'infotrafic, tout l'habillage de l'infotrafic et même l'habillage du reportage. C'est le seul truc qui me manque. L'infotransport a été faite moi-même, mais par exemple, d'autres génériques qui n'ont pas été faits, qui vont pas être faits par Marcel, bah, ils vont être faits par moi, surtout pour les génériques courts, mais pour l'infotrafic. Oui, alors, pour les génériques d'émission, par contre, là, ce sera Patron qui va les faire. Ouais, le seul générique qui va être personnalisé par moi-même, ça va être les génériques pour les JT de Verdun et de Strasbourg, c'est-à-dire pour DS et pour Nico, j'ai pas envie d'embêter. Bon, normalement, on devrait pas parler parce que aussi, ça devrait être la surprise. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais le générique, ça, vous le verrez dans bientôt. Petite parenthèse, vous pouvez retrouver le journal et l'infotrafic de Verdun et de Strasbourg bah, dès que le 19h30, la grande édition sera posté. Donc vous retrouvez l'actualité à Paris, l'actualité à Verdun et l'actualité à Strasbourg pour faire genre une édition plus longue que d'habitude. Voilà. Pour pas faire l'édition en 5 minutes. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Foot C France et sur T11 Express, la chaîne. Et moi, je vous retrouve ce soir à 19h45 pour 19h45 transport sur Foot C France. C'était Passons Musquette T14RM, Marseille Sparque 48 et DS. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.